Prenez l'avion pour Dakar, puis roulez vers l'est jusqu'au village de Dakharmbaye. Là, vous trouverez le terrain de notre fondation, 4,38 hectares, 43 800 mètres carrés. Dans cet enclos, vous découvrirez 500 manguiers de 2 mètres de haut. Ils ont été plantés l'année dernière, ils ont été greffés, malheureusement, des essaims de criquets pèlerins par centaines de millions d'individus qu'on n'avait pas vus dans la région depuis 15 ans sont réapparus et ont fait de terribles dégâts. Le proverbe dit « Le criquet tient dans le creux de la main » mais on l'entend dans toute la prairie. Qu'à cela ne tienne, en ce moment, Lamine Koulibaly, notre responsable sur place, les greffe à nouveau. Comme disent les Africains, si longue que soit la nuit, le jour viendra sûrement. Dans 2 ans, nos manguiers, un des arbres fruitiers les plus anciennement cultivés en Afrique, il peut atteindre de 10 à 25 mètres de hauteur, donneront leurs premiers fruits. Police, belle chair jaune, parfumée, savoureuse. Bon fruit vient de bonnes semences. Les manguiers donneront en plus une ombre bienvenue aux plantations. Sur notre terrain, vous découvrirez encore une grande serre, un château d'eau et un puits avec des conduites pour une micro irrigation.
de notre Baïfar qui arrive. Kara, Kara, Sila, Kara.